Bonjour. Dans notre précédent magazine, nous avons rencontré des proches aidants pendant un atelier d'art-thérapie à l'espace senior de Carcassonne pour parler du soutien psychologique dont ils avaient besoin. Comme d'habitude, à l'issue du reportage, nous leur avons demandé quel thème ils souhaitaient voir abordé dans le prochain numéro. Ils nous ont dit le répit. Alors nous sommes venus ici à Vinassan pour rencontrer Simon et sa famille et à La Valette chez Laetitia et son fils Théomiti. Comme toujours, nous avons ensuite montré ces images à l'une des structures en charge des questions médico-sociales sur le territoire. Cette fois-ci, nous sommes allés à la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées, à Carcassonne. Bienvenue dans le troisième numéro du magazine des aidants familiaux de l'Aude et d'ailleurs. J'ai trois enfants. Et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai perdu mon mari, jeune, donc à 30 ans. Et depuis, j'élève mes garçons seuls. Et j'ai un fils, Théomiti, qui a un handicap. Donc il a un TSA avec une dysphasie. J'essaye de les élever et de faire le maximum pour eux. Mon répit, même si c'est dur, c'est déjà de travailler. Quand je ferme la porte de ma maison, en fait, c'est fini. Là, je pars, je vais au travail, donc j'oublie tout ce qu'il y a à faire. C'est jusqu'au soir, jusqu'à mon retour. Ça me fait du bien le travail, mais le travail, les enfants, le handicap, il y a un moment donné où le corps aussi, il ne suit plus, en fait. Ou quand mes enfants ils vont me dire maman, je réponds même plus. Comme si mon cerveau il se mettait en. Je ne sais pas si c'est un mode de défense, mais tellement que je suis épuisée. Et des fois j'ai mes enfants, le plus petit qui va me dire maman, mais tu m'entends? Je suis là. Enfin, c'est peut-être ce moment où je me mets justement en pause pour, parce que là, la coupe elle est pleine en fait. J'essaye après d'avoir le temps pour moi déjà. C'est mon futsal. Mon futsal qui est précieux. Pouvoir pendant 2 heures, c'est pareil quoi. Je ferme la porte, je suis à fond dans mon cours, je tape dans le ballon. D'ailleurs, mes pauvres copines, des fois je les charge trop, mais bon. Je suis aide-soignante à l'hôpital, je travaille à temps plein. Après, c'est pas vraiment un choix, mais c'est que la plupart du temps, les postes sont à temps plein. Bon, les journées sont quand même longues. Il faut s'occuper des enfants avant. Il y a l'organisation de la maison, le retour c'est pareil, l'organisation au niveau de leur activité extrascolaire. Le foot, le fait que ce soit une activité physique, c'est primordial ça ou... Oui, c'est le seul moment que j'ai, on va dire, pour moi. En plus de ça, bon, c'est une bande de copines en même temps. Donc c'est le moment où je peux me défouler. Je peux taper dans le ballon tout ce qui m'a énervé pendant la semaine ou pendant la journée. C'est bien dommage que j'en ai qu'une fois dans la semaine parce que, bon après c'est pas assez, hein. Il me faudrait un peu plus de séances de sport, mais c'est compliqué de mettre en place ça dans ma vie quotidienne. Quoi. Le répit c'est quoi? Pouvoir faire des choses sans plus rien réfléchir, sans plus rien de s'inquiéter, sans plus... Je sais que quand Théomiti est avec Catherine, je me fais aucun souci. Je sais qu'il est en sécurité, je sais qu'en plus, c'est sa confidente. Il lui dit beaucoup de choses que des fois, moi, j'ai par la suite. Je crois que jusqu'à ce que j'arrive, elle n'avait pas eu vraiment d'accompagnement pour Théomiti.
que le diagnostic a été fait très tard et que tout s'est mis en place en retard. Elle commençait à fatiguer. Ne pas avoir de solution, ne pas avoir d'accompagnement, ne connaissant pas non plus la pathologie de son fils, même si elle avait le nom. Je fais un relais, je mets des choses en place. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui évoluent tout doucement. Il y en a d'autres qui évoluent plus vite. Il y a des choses peut-être qui ne bougent pas encore. Ça va à son rythme, mais quand elle a besoin, je suis là. Pour moi, le répit, si je devais le prendre là, tel quel, dans la famille dans laquelle je travaille, avec laquelle, enfin, que j'accompagne, c'est donner du temps à la maman, sans le noyau familial, pour se ressourcer. Et de l'autre côté, donner du temps aux enfants, sans la maman, pour faire autre chose et se ressourcer aussi. Par exemple, réciter les horaires en entier, etc. Ça, c'est des exemples. Et si tu tournes la page, ah non, je n'ai pas mis en marge. Et cependant, certaines auront plus de difficultés. Ils pourraient par exemple trouver qu'il est très difficile de se rappeler des noms des visages. Alors en fait, ce que j'ai mis en marron, c'est ce qui est vraiment les spécificités qu'il peut avoir beaucoup. Et la salade. Après, il y en a d'autres. Voilà, Vichy, je vous apporte du bel. Merci, je ne pourrais jamais faire ça. Après, il y en a d'autres que tu as, que je n'ai pas mis. Parce que voilà, sinon, tu peux pratiquement tout mettre. D'abord, si j'ai des problèmes, je dis d'abord à Catherine avant de dire à ma mère, parce que je pense que c'est Catherine qui peut m'aider sur les conseils au lieu de ma mère. Enfin, je pense que ça peut être comme ma tante ou mon ange gardien qui m'aide quand il y a des choses qui ne vont pas, quand elle me fait des notes sur mon téléphone. Quand ça ne va pas, je regarde. Comme ça, s'il y a un problème chez moi, je regarde et pour essayer de m'excuser ou pour me racheter, pour faire d'autres choses, je regarde et après je fais. C'est comme si c'était notre avocat un peu, de nous aider ou nous conseiller faire quelque chose de meilleur ou de s'améliorer. L'allemand, j'ai toujours pas eu ma note. Ah, dommage. Mais en tout cas, j'ai largement... j'ai réussi certains, plus de trois quarts, et elle notait si on en connaissait en bonus. Et j'en ai mis 4 verbes en plus. Et tu penses que c'est dû à quoi? Que t'as réussi comme ça? Toi? Non, pas moi, c'est pas moi qui apprends. Ah, moi? Avec l'alarme. Les répétitions? Oui. Théomiti, par contre, il est à l'alternat. C'est un choix qui, pour moi, est le meilleur, mais peut-être pas pour Théomiti, parce que des fois, il aimerait... Parfois, il aimerait être avec nous, et parfois aussi, c'est son il est content d'être avec ses copains. Après, je pense que l'internat, voilà, c'est aussi très positif pour lui. Tous les jours, si j'avais à... avoir ce quotidien, c'est-à-dire en rentrant, passer des heures et des heures pour lui dire, parce qu'il a des routines à faire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut que tu ailles à la douche, il faut que tu ailles... Là, c'est le moment de mettre la table, là, parce que tout seul, ça ne va pas lui venir à l'idée. Tout doit être planifié, avec des timings, avec des alarmes. Ça sera encore plus de charge mentale. J'essaye quand même d'aider au mieux que je peux. 12 heures, c'est quand même 12 heures à prendre. On peut quand même faire des choses. La preuve, c'est qu'il y a eu de l'évolution du côté de Théomiti, c'est qu'il y a eu des progrès, c'est qu'il a compris certaines choses et c'est qu'il continue à avancer sur son autonomie. Maintenant, en fonction des âges, voilà, Théomiti, il est adolescent. Il faut penser aux professionnels. Mais là... pour travailler sur son futur professionnel, pour faire les recherches, pour l'aider à savoir vers quelle voie aller, c'est encore du temps en plus. Donc, Le temps, voilà un mot fondamental pour comprendre ce qu'est le répit pour un proche aidant. Catherine travaille avec Théomiti pour le rendre plus autonome, ce qui soulage grandement Laetitia. Seulement voilà, pour Laetitia, les 3 heures par semaine accordées pour l'intervention de Catherine sont insuffisantes. Elles pourraient même lui être retirées. Franchement, des fois, je ne sais même pas si je remplis bien mes dossiers.
si on me comprend vraiment sur les phrases, est-ce que j'en dis assez? Est-ce que mon terme est assez, est-ce qu'il y a de l'impact en fait par rapport à ma vie, à ce que je vis en fait? C'est compliqué de poser des mots sur, sur notre quotidien, sur les situations qu'on vit. Je pense que déjà, il faut venir chez les personnes et de voir déjà comment Théomiti, quel enfant il est, comment il vit, comment il s'adapte avec les autres. Parce qu'on remplit des formulaires avec des mots, je pense, mais je pense que le mieux, ça serait de voir et d'avoir le son peut-être de toutes les personnes qui nous suivent. La pédopsychiatre va mettre son avis qui est comme le mien, d'avoir plus de moyens. Mais j'ai l'impression que ce qu'on nous donne, c'est pas réaliste en fait. Moi, 3 heures, on fait pas grand-chose quoi. La personne arrive, elle va se demander, bah alors Théomiti, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon ben déjà, il y a un temps qui est pris pour ça. Et puis le temps de mettre en place des choses, 3 heures, c'est déjà l'heure de repartir, quoi. Simon a un handicap moteur. Il nous explique que bénéficier des compétences d'un professionnel pour travailler à son autonomie lui procure du répit pour lui et pour ses parents. Pour parler de répit par rapport à ça, bah du coup, ce qui me faisait du bien, c'était les séjours en structure pour travailler sur l'autonomie. C'est vrai que ça me donne un vrai répit parce que déjà je compte pas sur mes deux parents déjà. Et il y a quelqu'un qui est payé pour prendre soin des besoins, des différents besoins en fait. Et donc il y a une vraie libération de me dire je peux demander à la personne, enfin c'est son métier quoi, et je rajoute pas une charge à une personne qui est importante à mes yeux en fait. Et donc ça, c'était très important et très libérateur dans la manière de nommer ce dont j'avais besoin, en fait. De dire, là, il y a douleur, là, il y a inconfort, là, il y a besoin, etc. Il y a une forme de fatigue émotionnelle, entre guillemets, de se dire, on rajoute ça à quelqu'un auquel on tient, et donc on n'a pas envie de ça. C'est un poids, en fait, de sentir que on a besoin d'aide pour faire certaines choses. Et donc, c'est libérateur d'avoir quelqu'un qui est là pour ça. Oui, ça m'enlève une charge de dire non, mais la personne est là pour ça, et donc, je réfrène pas ce dont j'ai besoin ou ce qui est important, quoi, en fait. Et quand j'en ai vraiment besoin avec d'autres personnes, que ce soit avec mes parents, mon frère, ma sœur, etc., ben là, je peux dire, parce que je sais que c'est stupide de réfréner la chose, et de dire, ou de me mettre dans des situations inconfortables, parce que du coup, j'évite de demander les choses. Quoi. Pour vous, c'est quoi le répit? Vous, alors, personnellement? C'est deux choses conjointes. C'est à la fois avoir la possibilité matérielle, l'occasion, les conditions matérielles de pouvoir laisser Simon et de ne pas s'en occuper à un certain moment, mais en même temps que dans ma tête ça soit un vrai que je me sente vraiment libre dans ma tête de le faire, c'est-à-dire que je m'autorise à le laisser, et surtout je me sens en confiance par rapport à la personne qui va être avec lui, par rapport au fait que lui va passer quand même un bon moment. Même sinon, parce que là, le week-end qui vient de passer, on est allé à Toulouse, on avait organisé matériellement les choses, donc il y avait des assistantes de vie qui sont venues. Quand on est revenu, Simon, on a compris qu'il s'était ennuyé, parce qu'il a vu personne à part ses assistantes de vie pendant tout le week-end. Et donc, on n'est pas toujours libre dans sa tête. Parce que on peut se dire peut-être qu'il va tomber, peut-être qu'il va se passer ci, ça. Donc le vrai répit, c'est pouvoir se dire j'y vais en toute confiance et je peux ne plus y penser. Louis a une sœur jumelle qui s'est gentiment proposée pour venir chez nous et être avec Simon pour que nous on puisse partir pendant une semaine pleine faire un voyage donc en Sicile finalement.
Et donc là, on avait un vrai répit parce que dans notre tête, on était sûr que Simon était bien, qu'il n'était pas tout seul et qu'il était avec des gens de bonne compagnie. Donc ça, c'est bien notre voyage en Sicile. On a passé un peu plus d'une semaine, hein, c'est ça ? Et donc là, c'est la première journée, on est arrivé à Syracuse. Et donc là, c'est une guide qui nous a un petit peu parlé de la partie antique de Syracuse. Votre dernier voyage, il remontait à quand ? 7 ans auparavant. Enfin, dernier voyage que tous les deux. Ouais. Moi, de toute façon, les moments où je fais de la photo sont souvent des moments de répit, justement. Je suis dans ce que je vois, je sors de beaucoup de choses. Que ce soit pendant les voyages ou quand même, moi, j'ai l'occasion parfois de partir un petit peu, faire des photos de bord de mer ou de choses comme ça. Et la créativité, c'est un espace à soi, un espace de liberté, un espace de... etc. Et Béa, des fois, je lui dis, là, ça fait trop de temps, j'ai rien fait. Même si les photos sont pas bonnes, hein, c'est pas le sujet. Hein, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti l'appareil, je suis pas sorti, etc. Et ouais, c'est un manque, quoi. Comme les balades qu'on fait avec Béa, le fait de partir dans la nature. Oui, ça c'est très ressourçant, hein, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai qu'au début, on amenait beaucoup Simon, on l'emmenait, on le traînait, etc. Et que maintenant, on se dit, et ça marche plutôt bien maintenant quand même. C'est qu'on te le propose, mais toi tu nous dis non, je n'ai vraiment pas envie de ça. Et il a quand même. C'était une préoccupation de mes parents, que j'ai du bien-être forcément. Pour eux, ça passe par certaines choses et pas par d'autres. Si on voit forcément les choses que je veux moi, et ben c'est sûr qu'il y a un ajustement à faire, il faut en discuter. Et c'est aussi apprendre à dire non, ou alors à dire ouais, peut-être, ou ça dépendra de comment je suis quand je rentre de tel truc. Enfin, des fois, je me fais un peu traîner encore une fois, mais souvent, j'apprécie. Après, tout le monde te l'a dit, tu as cette passion pour le basket, je pense que ce serait l'occasion de t'appuyer sur ça pour essayer de te faire des amis dans les fans de basket, etc. Oh, mais c'est difficile, hein. Donc, j'avais commencé comme ça. Narbonne Arena, 3 mai 2022. Donc, les abords de la salle résonnent du son des ballons de basket et des dribbles. La petite ville du sud de la France est en effervescence. Aujourd'hui, les Harlem Globetrotters vont faire le show. Une fois rentré dans la salle, j'aperçois le parquet placé pour l'occasion. Le speaker des Harlem Globetrotters s'avance et commence à expliquer qui jouera contre qui. Sans surprise, les Globetrotters affrontent les Washington Generals, une équipe qu'ils affrontent régulièrement depuis leur création en 1926. C'est une raison pour laquelle aussi je joue pas mal et je suis dans le prisme du jeu, c'est parce que j'essaye quelque part d'échapper aussi. C'est mon répit, c'est ma forme de répit, ma forme d'évasion aussi, de voir quelqu'un qui maîtrise son corps, quoi. Et moi, c'est aussi pour ça que je témoigne, c'est que je me rends compte que la souffrance ou l'inconfort, c'est beaucoup plus universel que ce qu'on pense. Je ne me rappelais pas grand-chose de plus, mais je savais que cela concernait la première femme à avoir intégré l'équipe originaire de Chicago. Je ne m'attendais pas à découvrir une telle histoire. J'ai envie de parler pendant le reportage. Alors c'est maintenant. Oh ben c'est tout à fait la réalité, hein, mais on sait quoi, qu'il manque de... Il y a des solutions pour les aidants, mais pas, tout n'est pas encore réalisable, et surtout comme la personne le souhaiterait. Là j'entends la maman de Simon qui disait quand ils sont partis à Toulouse, l'auxiliaire de vie qui s'est ennuyé. Ben, je peux comprendre Simon, ben, les auxiliaires de vie, oui, ce sont des personnes qui peuvent apporter une solution de répit, mais pas dans toutes les situations. Dans le cas de Simon, s'il a besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner en extérieur, faire des choses, voilà, le stimuler. L'auxiliaire de vie, elle est formée pour certaines choses, certains actes. Moi ce que je remarque actuellement, c'est que l'aide humaine a atteint ses limites actuellement. On peut proposer soit de dédommager d'un aidant s'il arrête de travailler, soit on peut lui proposer un service prestataire ou check emploi service, mais on est dans le cadre d'une aide humaine, dans le cadre d'auxiliaire de vie.
comme a été créée la loi en 2005, donc, mais pour des actes très basiques de toilette, habillage, aide au transfert, au déplacement. Alors qu'aujourd'hui, ben, la PCH évolue, donc il y a d'autres choses qui sont apparues. La PCH aide à la parentalité et là, actuellement, ben, elle soutient à l'autonomie uniquement pour les personnes présentant des troubles psychologiques ou du neurodéveloppement. Mais le souci, c'est que derrière, on n'a pas les professionnels qu'il faut. Pour moi, ce seraient des éducateurs en libéral qu'il faudrait qu'ils interviennent auprès de ces jeunes pour qu'ils aient vraiment un travail autour de l'autonomie. C'est pas systématique d'aller voir dans les familles. J'imagine que... Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que c'est un souhait que vous exprimez? J'aimerais bien aller voir toutes les familles. Si c'est demandé sur le formulaire, on se déplace. On peut le demander. Après, moi, c'est vrai que moi, en politique à moi, c'est une première demande, je les rencontre. Parce que c'est l'entrée dans le handicap. Je trouve que c'est important que les familles puissent être informées. D'aller les voir chez eux. Chez eux, soit on va chez eux, soit on les convoque ici en fonction. Un de leurs répits, c'était de dire ne nous rajoutez pas en plus des formulaires, des dossiers, etc. Même si c'est essentiel, j'imagine, pour traiter des dossiers. Mais alors, sa difficulté, ce qu'elle disait, c'était je remplis des formulaires, mais les mots ont leurs limites pour décrire une situation. Après, quand même, on les accompagne. Dans les renouvellements de dossiers. Des fois, il y a des choses, ben, disons que la personne a posé un dossier l'an dernier, il y a à peine un an, si malheureusement, ben, elle a besoin de nouveaux trucs, attendez, le certificat médical, on le vérifie, il y a une valeur d'un an, donc ne faites pas le certificat médical, juste le formulaire, vous m'appelez, je le fais instruire par mes collègues et on le fait rapidement. Voilà, après, c'est ça, là, on essaie quand même d'être humain. On a des permanences sur tout le territoire aussi. Donc moi, mon secteur, par exemple, c'est les Narbonne, donc on a des permanences, que ce soit au secteur adulte ou au secteur enfant. Et là, pas plus tard qu'hier, voilà, la personne avait du mal à remplir le dossier. Et ben, elle vient, on l'aide à remplir et on lui prend son dossier. Comme ça, il arrive plus vite ici. Et en plus, on a fait une pré-évaluation, c'est ça. Et ça nous permet de voir, moi je suis à l'enfance, donc de voir l'enfant, de rencontrer les parents, s'il y a besoin d'une visite, d'un complément, que ce soit l'ergo, thérapeute. Vous, professionnel, vous êtes en contact de cette difficulté. Mmh. Comment vous faites pour vous en sortir entre une réglementation qui vous est imposée, hein, ça vient du législateur, vous êtes sur le terrain, vous voyez la difficulté des personnes. On prend effectivement chaque situation en pleine face et on essaie d'y répondre au mieux avec les outils que la loi nous met à disposition. Après, on essaye de faire le mieux, de leur proposer des choses, de la compensation. Hein. Donc, du répit, soit par un service prestataire, soit par quelqu'un qui souhaite employer en chèque emploi-service. Le répit, ça peut être aussi au travers de séjours en vacances adaptés, où ils sont pris en charge. On a aussi des fois, on est confronté. C'est là, plus moi, où ça me travaille, c'est quand les familles, elles veulent du répit. Elles nous sollicitent, on va les voir, mais elles refusent tout à l'extérieur. Là, c'est super con. À lâcher. Et ça, moi, je le vois souvent dans le cadre du plan d'accompagnement global. Et là, j'en ai un qui vient de m'arriver, qu'il faut que je traite. Mais c'est compliqué. Des fois, on met en place des plans d'aide qui vont jamais être utilisés. Parce que justement, il n'y a pas... Les familles ne trouvent pas les professionnels qui leur correspondent. Voilà, c'est pas... C'est ça. Il a quel âge, Simon ? 22, 23 ans. Et voilà, bien. Mais oui, mais alors, vous allez découvrir. Simon va avoir une action organisée avec les APS, justement. Avec le SAVS. Le SAMSA, exactement. Alors, je vous donne des nouvelles de Simon. Il travaille en ce moment à son orientation professionnelle avec les SAVS des APF qui l'accompagnent dans sa recherche d'emploi. Il cherche d'ailleurs un poste de journaliste. Quant à Théo Mitty, le renouvellement des heures d'accompagnement qui lui avait été accordé par la MDPH est toujours à l'étude. Et sa maman espère que cela ne tardera pas. Sachez bien qu'en cas de désaccord avec une décision de la MDPH, vous pouvez tout à fait faire un recours. Tout d'abord, une demande de conciliation ou une demande de recours administratif préalable. Et si le désaccord persiste toujours, alors vous pouvez faire un recours en contentieux auprès du tribunal administratif ou judiciaire en fonction de l'objet de votre désaccord. Parmi les solutions de répit dans le département de l'Aude, la MDPH nous a transmis deux solutions qui peuvent vous être utiles. ASOP, un dispositif expérimental sur le Carcassonnais pour les enfants de moins de 6 ans porteurs de handicap. Et le site répitoccitanie.org pour les jeunes de 12 à 20 ans pour donner la possibilité aux parents d'exercer leur droit au repos pour prendre du temps pour eux et la fratrie. Vous trouverez bien sûr tous les liens et contacts dans la description de la vidéo.
Alors, comme d'habitude, nous avons demandé aux proches aidants de nous confier une nouvelle mission pour le prochain numéro. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on traite comme sujet dans le quatrième magazine ? La famille, c'est un beau sujet, hein ? La famille. Peut-être le... Enfin, on est en train de lire un livre qui est très chouette et qui parle en fait des frères et sœurs. Comment ils le vivent, comment ils perçoivent tout ça, qu'est-ce qu'ils ont... Voilà, qu'est-ce que ça... Oui, le point de vue de la famille, ça me paraît pas mal. Merci d'avoir suivi ce troisième magazine des aidants familiaux de l'Aude. Et d'ailleurs, sa vocation, vous le savez, est de vous donner la parole, vous, les proches aidants. Alors partagez-le, commentez-le et à bientôt.